Vous êtes sur RTL. Autre sujet, Madame la Ministre, est-ce qu'il est acceptable selon vous que la vice-championne d'Europe du marathon, Clémence Calvin, puisse être au départ du marathon de Paris demain matin? Le Conseil d'État a levé hier soir la suspension décidée parce qu'elle s'était soustraite à un contrôle antidopage au Maroc. Est-ce que ce type de décision, ça va dans le bon sens selon vous? C'est une décision qui me surprend et que je ne comprends pas complètement. Donc je vais entrer en contact avec l'AFLD pour qu'il m'explique comment... Ça s'est passé, mais c'est quelque chose qui m'interpelle. Qui vous interpelle, au point peut-être d'intervenir dès aujourd'hui pour qu'elle ne participe pas? Écoutez, il ne s'agit pas là d'un... Elle va faire son marathon de Paris, peut-être, puisque la procédure est telle que je ne crois pas que là, en 24 heures, on va pouvoir changer, modifier les choses. Mais pour l'avenir, pour que ça ne puisse pas se reproduire de la sorte, il faut qu'on voit et qu'on comprenne ce qui s'est passé. Voilà, merci d'avoir commenté toute cette actualité en ce samedi matin. Ministre des Sports, Roxana Maracineanu était l'invitée de RTL.